Alors, je suis gréviste Ndong Ovono. Je suis de nationalité gabonaise, acteur civique, juriste. Et la participation à la transformation politique, économique et sociale est en réalité le seul mouvement militant qui me passionne. Alors, je suis aujourd'hui à Bruxelles pour participer bien évidemment au forum Grand Montana, qui pour moi est un rendez-vous très essentiel où des décisions se prennent, où les gens s'asseyent pour décider de la prochaine configuration du monde de demain. Il va sans dire qu'en tant que jeune Africain, je me réjouis d'être là. Il fut bien évidemment un temps où l'Afrique n'était même pas conviée à ce genre de réunion. Aujourd'hui, nous sommes non seulement conviés, mais nous avons également la possibilité d'exprimer clairement ce que l'on pense. Et bien évidemment, c'est avec un sentiment de devoir accompli que je me suis entretenu avec les dirigeants du monde sur la nécessité pour nous, Africains, d'avoir une monnaie unique, de mettre de côté le franc CFA, parce que tant qu'on aura comme monnaie le franc CFA fabriqué par d'autres pays, l'Afrique ne sera jamais forte, parce que l'unité africaine passe également par sa possibilité à répondre elle-même à ses propres besoins. Nous sommes dans une situation où l'Union africaine est financée par une union moins riche qu'elle. Ce sont des choses bien évidemment inconcevables. Bien évidemment, il n'était pas simplement question d'exprimer, bien évidemment, de faire ce constat, mais également de faire un certain nombre de propositions sur le réchauffement climatique, sur l'implication des femmes dans tous les domaines d'activité. Et c'est une réussite pour nous d'être ici aujourd'hui au Forum Grand Montana.